Déjà leur donner un rôle important, savoir ce qui se passe aujourd'hui dans le football de haut niveau, mais comme aussi dans le football de masse. On a besoin d'avoir des éducateurs, on a besoin de former des éducateurs, et d'où mon intervention aussi par rapport à la pratique féminine et au développement du football féminin. On se doit de pouvoir se structurer, et pour se structurer, il faut que les clubs fassent beaucoup d'efforts. En l'occurrence, faire en sorte de mettre en avant leurs éducateurs. On a de grandes échéances qui arrivent dans le futur, notamment sur le football féminin, avec bien sûr le championnat d'Europe à court terme, mais surtout à moyen terme, la Coupe du Monde 2019 en France. Donc tout ça, il va y avoir un impact important. Il va y avoir un nombre de pratiquantes qui va s'accroître dans les mois et dans les années à venir. Donc il va falloir être prêt pour les accueillir, mais aussi leur donner la formation nécessaire. D'où cette intervention auprès de tous ces éducateurs. Il va falloir que les clubs mettent en œuvre une politique sportive intéressante qui puisse les amener et tendre vers ça. Le développement du football féminin passe aussi par le football amateur ? Bien sûr, il est amateur le football féminin, donc c'est ce football de masse. Aujourd'hui, on est à 120 000 pratiquantes. On espère en attirer encore des centaines et des milliers dans les mois à venir. On sait l'importance des clubs aujourd'hui dans le football amateur. Il va falloir continuer, mais pour ça, il faut se donner les moyens humains notamment, et puis comme je vous l'ai dit, former ces éducateurs, parce que cette arrivée massive, il ne faut pas l'attendre après la Coupe du Monde, il faut l'attendre déjà avant cette Coupe du Monde, et après cette Coupe du Monde, on aura certainement, j'espère, toutes les structures nécessaires pour les mettre dans les meilleures conditions possibles.